Salut tout le monde, juste une petite vidéo parce que ça y est, nous sommes le 10 septembre, donc ça veut dire que dans exactement 6 mois, le 10 mars 2020, je vais démarrer ma prochaine grosse aventure qui sera de tenter de marcher la totalité du sentier des Appalaches aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne le saviez pas encore, voilà, je vous le dis. Pour ceux qui pensaient que j'allais passer outre cette lubie, non, ça y est, c'est officiel, je me suis enregistrée sur le site officiel de l'Appalachian Trail Conservancy. Donc j'ai ma date de départ planifiée. J'ai mon billet d'avion pour Atlanta. Donc ça, il me reste plus que le visa à obtenir. Donc j'ai rendez-vous pour ça la semaine prochaine. Donc on croise les doigts. Voilà, je suis super excitée, super nerveuse aussi. Parce que voilà, ours, serpent à sonnette, etc. C'est un peu nouveau pour moi. Mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Voilà, j'ai juste un peu la pression de me dire voilà, jusqu'où je vais pouvoir aller, quoi. Donc voilà, il y aura une page Facebook en français, une page Facebook en anglais et évidemment ma chaîne YouTube qui sera mise à jour régulièrement. Je vous expliquerai plus tard comment ça va marcher tout ça. Il y aura des vidéos entre maintenant et le départ qui donnera un peu plus d'explications sur un petit peu tout, sur le sentier, sur la préparation ou plutôt la non-préparation. Dans laquelle je suis en ce moment. Voilà, et puis un petit peu, je parlerai un petit peu du matériel nécessaire, etc. etc., etc. Enfin voilà. Et après, il y aura forcément les images et les récits du sentier une fois que j'y serai. Donc, c'est très important pour moi que vous me suiviez dans cette aventure. Non pas pour le nombre de followers, parce que de toute façon, je n'aurai pas de rémunération YouTube, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais pour les encouragements, j'ai suivi beaucoup de randonneurs ces 2-3 dernières années. Et voilà, ce qui fait abandonner, c'est le moral. On a ras-le-bol, on en a marre d'avoir froid, d'avoir faim, d'être mouillé. Et certains d'entre eux ont pu continuer parce qu'ils ont eu des commentaires, des messages en leur disant « Vas-y, pousse un peu plus loin, prends ton courage à deux mains et fonce. » Et voilà, et avoir un bon petit coup de pied dans le cul de temps en temps, ça peut faire du bien, rebooster un petit peu, et voilà, ça peut faire la différence entre abandonner rapidement ou continuer et achever les 3 500 km de marche. Donc voilà, si vous pouvez, suivez-moi, envoyez-moi vos messages d'encouragement, vous pouvez me dire que je suis folle aussi, après tout, je le sais déjà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Facebook français, Facebook anglais, YouTube, les vidéos seront en français mais avec des sous-titres anglais. Et voilà, donc suivez mes aventures parce que là ça va commencer, il y a les bons trains. Et puis ben, je verrai certains d'entre vous en décembre. Et pour ceux que je ne connais pas, qui se sont subitement abonnés à ma chaîne, bienvenue. Et merci de montrer de l'intérêt dans ce que je fais. Et j'espère que ma prochaine aventure plaira à tout le monde. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que d'autres passionnés de nature et d'aventure aient envie de regarder ça. Allez, à bientôt tout le monde. Tchuss.